On va commencer dans une ou deux petites minutes. Juste avant les warnings de base, évidemment, je vais vous demander de ne pas prendre de photos avec flash, s'il vous plaît. Je vais vous demander également de couper la sonnerie de votre téléphone portable. Vous pouvez le laisser allumer, il n'y a pas de problème, mais juste couper la sonnerie. Je vais aussi vous demander de ne pas poser de questions sur Shenmue 3. Tout simplement parce que toutes les réponses sont déjà sur Internet. Il n'y a pas plus d'infos aujourd'hui. Donc, ça y est, on est prêt. Bienvenue à cette conférence de Yu Suzuki du Tokyo Game Show, n'importe quoi, du Toulouse Game Show 2020. Je vais vous demander quand même une petite salle d'applaudissements pour Monsieur Suzuki. Deuxième jeu, et qui est un des premiers jeux emblématiques, qui est Hang-On, où Monsieur Suzuki va nous expliquer d'où est venu ce jeu et pourquoi un jeu de moto en premier. À la demande de Monsieur Suzuki, j'utiliserai un petit peu plus sur le jeu que le in. Donc, c'est la première chose que je vous dirai pour la traduction. Donc, en fait, le tout premier jeu de Monsieur Suzuki, ça n'est absolument pas de la moto, mais en fait de la boxe. Et. Eh, Yuri, non. Boxing. Comme vous pouvez le voir à l'écran, et d'après Monsieur Suzuki lui-même, donc c'était donc pas un jeu extraordinaire en soi, mais. Donc après Champion Boxing, bon, alors ça ne marche pas, petit problème technique. We're going to do it again. Alors passons donc du coup à voilà. Et Donc en fait, après avoir pratiqué beaucoup de motos off-road, l'envie de faire un jeu à ce propos a été extrêmement forte. Malheureusement, la demande et les possibilités de vente ne suivant pas, en fait, tout simplement, Hang-On a vu naissance, a vu le jour parce que il y avait un besoin et une demande au niveau d'un jeu on-road.
après Unknown, on avait droit à un autre jeu de conduite, mais plus des motos, des véhicules ce coup-ci, c'était Outrun, qui était le premier jeu à proposer multiples chemins. Sa radio et d'où est venue cette idée de c'était le premier jeu qui proposait plusieurs embranchements de route. D'où est venue cette idée? En fait, le concept, plutôt que faire un jeu de course banal, l'idée principale au départ, c'était de faire un jeu plutôt de conduite avec ce sentiment formidable que peut offrir l'idée de conduire d'une seule main avec une très jolie fille à côté de soi tout en écoutant sa radio et en profitant de ce que l'on voit autour de soi. Et c'est ce sentiment-là qu'il voulait offrir aux joueurs. Et c'est aussi le jeu qui vous a donné la réputation d'être un grand fan de Ferrari, mais vous êtes juste un grand fan de voitures en général. Ferrari もあの、ファンですけど、あの、車なら何でも好きですね。なんかちっちゃいやつも好きですよ。Je suis très fan de Ferrari, certes, mais en fait, c'est la voiture qui me plaît. 四輪ドリフトって言って、あの、その、こう滑るのが面白いですね。ビューとか。C'est le sentiment de glisser pratiquement sur le côté. Alors, tant qu'on est sur ces deux jeux, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur Angon et ou sur Outrun? C'était pour savoir, à l'heure actuelle, on est dans la 3D, dans les jeux vidéo extrêmement compliqués. À cette époque, c'est la technologie que vous utilisiez, si ça ne vous dérange pas de parler de technique, est-ce que c'était vraiment du code et des vieilles technologies comme ça? Est-ce qu'il y avait des... comment dire, des... Plus, que... s'il vous plaît, ciblez davantage la question. Ok. Quelle technologie vous utilisiez à l'époque comme code, du flash, ce genre de choses? Flash. Assembly language. À l'époque, ce qui était utilisé, c'était plutôt le langage machine. Mm. En assembleur. Bonjour, monsieur Suzuki. Bonjour. Bonjour. Beaucoup d'entre nous, nous étions trop jeunes, malheureusement, à l'époque où vos jeux sont sortis en arcade pour aller dans les salles d'arcade. Et nous les avons découverts et adorés sur les consoles de jeux, notamment la Master System. Et je voulais savoir si vous aviez participé ou si vous aviez supervisé des projets sur les adaptations de vos jeux sur les anciennes consoles de l'époque. そうだね、あのコンシューマーにやるのもあのやってます、うん、コンシューマーのマシンのパワーがすごく低いのでコンシューマーのマシンにあの持っていくときにはあのすごくスピードを上げなくちゃいけないそこにフォーカスして使いました En fait, ils sont donc mal pour un... parce qu'en fait, il faut adapter la rapidité. Un des premiers jeux en 3D de Monsieur Suzuki est un jeu de course, ce coup-ci, qui était Virtua Racing. Est-ce que vous pouvez faire un peu
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des challenges qu'ont représenté Gateway Racing? これ、あの、セガにいた時の初めてのスリーDのゲームになります。最初は300ポリゴンしか出なくて、すごく困った。最初のスリーDなので、あの、 En fait, c'était un premier jeu en 3D et comme il était très très habitué aux jeux de course, aux jeux de conduite, de ce fait, le thème a été très vite décidé puisque ça avait permis de travailler en terrain à peu près connu. En fait, dès le départ, il aurait envie d'animer des personnages et des êtres vivants, mais techniquement, c'était déjà compliqué. Donc, en fait, au départ, le choix s'est porté en fait sur des voitures. En fait, si on observe bien les personnages sur les stands du jeu Virtua Racing, en fait, ce sont ces personnages-là qui ont servi de test et de base pour les personnages de 3D et qui sont donc les ancêtres de Virtua Fighter. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous présenter Virtua Fighter. Qui est un des premiers donc, jeux en 3D de combat. On revient plus sur la séquence. La jeunesse des personnages en fait, de Virtua Fighter, c'est en fait tous ces personnages qui apparaissent au stand et qui ont servi de test en fait, au départ pour commencer à animer des personnages humains. En les voyant maintenant, on a l'impression qu'il s'agit de robots. On a un peu l'impression que ce sont des boîtes qui marchent. Et donc avec ces tests d'animation, vous avez fait Virtua Fighter, qui est donc un des premiers jeux de combat en 3D polygonal. Et qui déjà à l'époque impressionnait par le niveau de réalisme, si on peut dire ça, des combats et de la complexité des techniques d'arts martiaux. Est-ce que vous-même vous pratiquez beaucoup d'arts martiaux? Kung-fu, particulièrement comme c'est un jeu qui un art martial qui nécessite beaucoup de réalisme et beaucoup de travail effectivement pour le rendu. De ce fait, il a dû se rendre en Chine pour aller travailler et étudier sur place. Après être allé jusqu'au temple de Shaolin, il a même reçu un coup au visage et c'est ainsi que le métier est rentré. Moi je reste que sur la forme, donc je suis très très faible, dit-il. Alors, est-ce que vous avez des questions sur Virtua Fighting et pourquoi pas aussi Virtua Racer? Le jeune homme à la caméra au milieu. Je voulais savoir, en fait, Monsieur Suzuki Yu a créé parmi quelques-uns des plus populaires jeux vidéo du monde, en fait, et je voulais savoir si son meilleur souvenir datait, en fait, de ces jeux-là, des jeux d'arcade. Hein. Ça,
そうですね、今やっぱり 3D をこう仕掛けてた時が一番楽しかったですね。En fait, c'est plutôt, oui, c'est vraiment le moment où il a travaillé sur la 3D que se trouve vraiment des moments où il s'est beaucoup amusé en fait. 今からもっと楽しいことが起きればいいと思ってますけど。Actuellement, il se dit oui, ça serait peut-être pas mal qu'il y ait encore plus de choses amusantes qui puissent arriver, mais enfin. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir si, par rapport à tout votre travail, on a l'impression quand même que vous êtes vachement en avance sur votre temps, sur l'ensemble des productions. Et je voulais savoir si c'était pas plutôt une tare que vraiment un avantage, parce que ça implique évidemment des fois peut-être des problèmes au niveau de la production. Le fait d'être trop en avance sur son temps, en fait, est-ce que ça pose des difficultés je pense bien sûr à la cheminée. Mais... Donc en fait la question c'est est-ce que être trop en avance sur son temps ça pose un problème. Par rapport. ちょっとよくわかんないけど、進みすぎちゃうとなかなかヒットしないと思いますね。ちょっと先ぐらいがヒットするみたいですね。En fait, pour répondre à la question, c'est, bon, déjà c'est une question un peu embarrassante, parce que bon, c'est bien agréable de s'entendre dire ça, mais quand on est un peu trop avancé aussi, on ne fait pas mouche par rapport à ce que l'on propose. En fait, l'idée c'est d'être un petit peu en avance, mais pas trop. Évidemment pas de chaîne de 3. Alors Shenmue représente un changement dans les jeux que M. Suzuki a fait, puisque jusqu'à présent il avait fait principalement des jeux d'arcade. Et là Shenmue est quand même loin d'un jeu d'arcade. Il émule même des jeux d'arcade dans les bars. Et la question c'est quel a été le déclenchement pour passer du jeu d'arcade à un RPG qui est quand même beaucoup plus dense. セガがあの当時ドリームキャストってそこにねドリームキャストを作るときにキラータイトルが必要だっていうことになってRPG のビッグタイトルが必要だっていうことになってやっぱり誰もやるって言わないんで僕がやることになった。En fait, c'est l'époque à laquelle Sega a sorti sa Dreamcast et a eu besoin d'un titre tête d'affiche. Et de ce fait, personne ne se proposant, et bien c'est M. Suzuki qui s'est exécuté à ce moment-là. Et il y a beaucoup. Alors, à la fin de Shenmue 2, il y a notamment, je ne spoil rien évidemment, il y a une petite vidéo qui montre Shenmue en version Saturn, et il y a beaucoup de mystères autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le degré d'avancement de la version Saturn ? プロトタイプでサターンでシェンムを作ってたんですがそこでやっぱりレンダリングとかキャラクターを動かしたりあとは街を作ってクエストをしたりやっぱりシェンムの基本になる部分をテストしてました。En fait, la version Saturn était un prototype et donc effectivement elle a servi de test pour fabriquer des personnages pour la création de villes, des méthodes pour parler avec les habitants, la création des grottes ou des étendues d'eau, mais en fait ce n'était jamais qu'un test et un prototype. Alors puisque je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions, il y a déjà un bras qui s'est levé au milieu. Des questions donc, alors il y a le jeune homme là-bas, je ne sais pas combien de tirs en noir qui lève la main très haut. Si c'est pas sur Shenmue 3, ça va. Hein. Bonsoir. Alors, c'est pour demander si c'est possible de revoir Shenmue 1 et 2 en téléchargement sur Xbox Live et PSN par exemple.
ダウンロードバージョンはあるんですか？ L'idée c'est est-ce qu'il va y avoir une version téléchargeable? C'est bien ça, on avait bien compris. Est-ce que ça répond à la question? Alors, on va passer à une autre question. Le jeune homme avec un fou devant. Bonjour, Yu Suzuki. Donc j'ai une question en fait. Donc, je sais que mon collègue à bord micro a dit que c'était un peu mal fouchu. Mais est-ce que si j'ai déjà la jaquette de chez nous trois, et vous les idées, on peut faire quelque chose? Qui sait? On va prendre le monsieur au tout premier rang qui est juste là. Alors je sais que ça se fait pas de montrer du doigt, mais c'est plus pratique dans ces circonstances. Bonjour, j'ai une question pour ma chaîne. 1 et 2 n'ont jamais été traduits en français, en sachant que les Français sont un peu réticents sur l'anglais. La question c'est pourquoi ils n'ont pas été traduits. Je pense que ça a coulé dans une caste aussi. C'est tellement cher chez nous à faire, c'est vraiment je veux dire, c'est pas un traité de philosophie chez nous, quand même, je vous comprends. C'est un peu plus de temps, mais... Il y a un peu de temps. La version française, sans doute faut-il la faire. Hein. On va avoir plus une dernière question. Voilà, toutes les mains se lèvent quand je dis ça. Il y a le monsieur là-bas tout seul. C'est plus facile pour... Vous étiez tous dans le même coin, c'est plus facile pour viser. Bah, tout simplement, est-ce qu'il y aura une chaîne 3? Alors, on va prendre une autre question parce que. Une question bonus. Alors, il y a un monsieur au milieu, voilà, qui est au milieu de la forêt de main, juste là, voilà, qui tient là, voilà. C'est bon. Bonjour. Alors, Shenmue 2 est sorti en 2001. C'était. Oui. Il va bientôt 10 ans. Dans 3 jours exactement. Alors, moi, je voudrais fêter avec tout le monde. Et pourquoi pas chanter un joyeux anniversaire à Shenmue 2. Joyeux anniversaire Shenmue, joyeux anniversaire Shenmue, joyeux anniversaire Shenmue, joyeux Une dernière question pour le jeune homme en gris. Mais vraiment la dernière, je suis vraiment désolé. Bonjour monsieur Yosuzuki, j'aimerais savoir ce que vous pensez du travail entrepris de la traduction en français de Shenmue 2. Je ne sais pas s'il est au courant. En fait, il y a une traduction française qui est faite par des fans en français de Shenmue 2 et je voulais savoir ce que vous en pensez. Monsieur, il ne savait pas. Donc, il ne pourra pas répondre à la question. Question bonus. Ouais. Non, je suis désolé, on est obligé de passer le... Je sais que c'est un sujet que tout le monde adore chez nous. Another one, just mais, one. The only one. C'est... je sais. Mais justement, pour les questions générales... Mais il y a des questions générales qui viennent après, justement. Là, c'était vraiment que les questions chez nous, il y a d'autres questions qui arrivent plus tard.
Parce qu'aujourd'hui, M. Suzuki donc, est devenu consultant pour Sega et aussi pour Premium Agency. Et voilà, et justement la question c'est exactement qu'est-ce que vous faites en ce moment chez Premium Agency et chez Sega. C'était ma question. Bravo. De l'aide à propos des jeux d'arcade et également tous les conseils que l'on peut donner pour le reste des jeux. Comme en fait les relations avec Sega sont au beau fixe, voilà, il suffit d'avoir une licence pour pouvoir faire quelque chose aussi. Donc voilà. Une question aussi. Pas tout de suite. C'est juste après. Et alors, depuis chez nous, il y a un jeu notamment dont on a beaucoup entendu parler, qui est Sci-Fi, mais qui a été annulé à la toute dernière minute, qui était un jeu d'arcade tactile, qui était aussi c'était le premier jeu d'arcade complètement tactile, en tout cas de combat. Est-ce que vous êtes intéressé justement par tous ces nouveaux médias comme le Kinect, comme tout ce qui est motion gaming? 2005年に作ったあのゲームですね。 C'est un jeu qui a été fait en 2005 et qui, nous le rappelons, a été arrêté à un stade malheureusement assez développé, mais qui présente un intérêt pour la question. ちょっと早すぎたかもしれないね、これ。あの、今だったらいいかもしれない。À l'époque, c'était peut-être un petit peu trop. Maintenant, ce serait le bon moment. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de son? Non. Vous avez pas de son, hein? Bon, bah, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment le jeu fonctionnait? これあのタッチパネルのゲームで、あのタッチパネルでこうやってこうなんかこうトム・クルーズの映画みたいにこうやってやるんですけど、あのこれは例えばあのキネクトとかムーブとか、あのウィーみたいなこうコントローラーでこうできると思うから、こういうのがこう今の時代に合ってるかもしれない。En fait, c'était le premier jeu qui était qui fonctionnait et de ce fait, sans doute, serait-il beaucoup mieux adapté aujourd'hui avec des consoles telles que Wii ou Kinect. Mais pour l'époque, c'était un petit peu trop tôt. Et est-ce que vous aimeriez développer un jeu pour Kinect? Ah, ça aimerait beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Il y a de plus en plus, on joue de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, et de moins en moins sur consoles de salon. Est-ce que c'est quelque chose, les jeux sociaux, les jeux sur réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse? Allez, masque. Plus particulièrement, le smartphone m'intéresse. C'est vraiment dans le smartphone qu'on voit de l'avenir. Et vous allez développer au Japon un jeu sur smartphone basé sur Shenmue, justement. であのチェンムガイってあのやつを運営してますけども、今はあのスマートフォンの方に展開できればいいなと思ってます。
Donc au Japon, Shenmue ou Shenmue City, pour les Européens, a été donc développé via les téléphones portables, mais en fait l'idée ce serait plutôt de le développer sur smartphone comme support. Donc ici vous avez la page officielle de Shenmue City. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'avenir du jeu vidéo avec Yu Suzuki? Alors, on va commencer par... Alors, des gens qui n'ont pas encore posé de questions, je vois monsieur là-bas tout en haut. Bon, bonjour monsieur Yu Suzuki. Donc, j'avais une question, en fait. Depuis quelques années, les développeurs japonais disent qu'il y a une crise de la créativité en matière de jeux vidéo. Et je voudrais avoir son avis dessus. Et en plus, là, je regardais des images de Safai, je me dis, est-ce qu'il pourrait développer ça sur iPad, par exemple? Alors, donc, deux questions. Je fais scinder la traduction et la réponse, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'il y a plusieurs éléments et ce sera plus facile pour tout le monde, puisque ça va faire plusieurs informations. Donc, la première question, c'est la créativité aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Il ne pense pas du tout, lui, hein, que la créativité s'est perdue. Au départ, c'est vrai que peut-être il y avait beaucoup de choses au Japon, mais que ce soit en Europe ou aux États-Unis, beaucoup de jeux sont sortis, il y a vraiment de très belles choses. Donc, La deuxième partie, c'était Sci-Fi sur iPad, hein, c'est ça? Ah, ça pourrait être pas mal. Alors, question va juste à côté de vous. Bonjour monsieur Yu Suzuki. J'aimerais savoir ce que vous pensiez de l'utilisation des QTE dans les jeux d'aujourd'hui, par rapport à l'utilisation quasiment systématique dans les jeux d'action-aventure des productions actuelles. Alors la question c'est en gros, est-ce qu'il y a trop de QTE aujourd'hui dans les jeux? Ce qu'il en pense lui de l'utilisation des QTE dans les jeux aujourd'hui. Système est un très bon système, je pense, donc tout le monde a utilisé, donc c'est bien, je pense. Oui, en fait, comme c'était un système qui était vraiment très très bien, pour le coup, tout le monde avait envie de l'utiliser. C'est pas plus mal, en fait. Le jeune homme en orange au quatrième rang sur le bord. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la 3D, c'est moderne, tout le monde connaît, tout le monde sait un peu comment ça marche. Et je voulais savoir, quand il a commencé, est-ce qu'il y avait vraiment rien? Est-ce qu'il a été modeleur, animateur, setupeur, comme tout le monde le fait aujourd'hui? Mais vu qu'à l'époque, il n'y avait rien, est-ce que vous avez dû créer ça? Oui. Juste derrière le jeune homme, on va vous faire tous les trois, on va rester dans le coin. Bonsoir monsieur Suzuki. Tous vos jeux ont marqué les gamers, ce sont des références dans tous leurs domaines, que ce soit Virtua Racing, Virtua Fighter, Shenmue. Et pourtant, aucun n'a percé au point de vue du grand public. Quel sentiment vous procure la différence entre la réussite technologique et du gameplay
et le fait que le public ne soit pas au rendez-vous de vos productions. Shenmue aujourd'hui, ce soir, tout le monde est fan de Shenmue. Et pourtant, Shenmue, en termes de vagues, ça a été une catastrophe. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas très gentil pour le traducteur ce que vous dites là, parce que c'est moi qui vais devoir être poser une question. Honnêtement, pas très très gentil. La question, alors, c'est... En fait, la question, c'est quel est son sentiment quand il voit ce que représentent ces jeux par rapport à l'impact qu'ils ont eu, mais le faible retour tour par rapport aux utilisateurs. Je pense pas que c'était si catastrophique que ce que vous dites. Ouais, ouais! Alors, je crois qu'il y avait votre voisin qui avait une question aussi. Alors, Monsieur Suzuki demande si finalement il y a des questions sur Shenmue 3 ou pas. Oui! Oui! J'en ai une sur Shenmue Guy, vite fait. Est-ce que ça serait possible d'envisager d'avoir une traduction en anglais, je sais pas. Une version occidentale, en fait. Ouais. Je sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a une possibilité? La question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir en Occident Shenmue Guy? S'il y a beaucoup de ventes, je ne sais pas moi, pour smartphone. C'est sur Android. Potentiel à l'heure, je pense. Les possibilités existent parce qu'effectivement, le portable est un monde qui s'étend et donc de ce fait, on ne peut pas nier les possibilités. Oui, il y a toujours des espoirs. Sur Shenmue 3 ? Non. Merci. Allez-y. C'est toujours possible de le voir arriver un jour ou pas du tout, en fait. Vous avez eu la question de choix. Non. Tous les ans, la rumeur parle. Vraiment s'y attaquer, mais bon, il faut l'opportunité. Après avoir entendu tant de fois aujourd'hui, faites-nous Shenmue 3. Oui, forcément, on en arrive à se dire, il faut le faire. D'abord, Monsieur Suzuki, bonsoir et merci d'être là. Donc, j'aurais tout d'abord une question. Est-ce que vous avez vu une voiture noire hier ? Personne ici pourra aller donner de l'argent pour éventuellement un Shenmue 3. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Quels sont vos prochains projets? そうですね、あのやっぱりあのいやシェンムースリーはねやっぱりこれだけ皆さん熱い声援があるのでやっぱりちょっとあの本当に機会があればやりたいと思ってます。あとはあの新しい企画もまたいろいろ企画を考えています。新しいやつだと例えばあの動物とかモンスターと動物でファイティングをしようとね。En fait, c'est vrai qu'après avoir entendu tant d'encouragement, l'envie de faire Shenmue 3 est forcément là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a également beaucoup, beaucoup d'autres projets sur feu, entre autres des projets avec des animaux et des monstres et du combat. Le tout conjugué, évidemment, qui sont vraiment à l'ordre du jour. Donc, モンスターをこう育てて、それを戦わしたりしたいですね。Par exemple, on s'occupe de bien élever ces monstres et ensuite on les fait se battre. Si on peut avoir l'écran d'ordinateur. Quelques petits indices. Une boule rouge et blanche. Est-ce qu'on peut avoir... New fighting. Des bases comme ça, l'air de rien, l'inspiration vient et ce sont vraiment des indices. Et pas seulement quelque chose fait pour faire rire les personnes qui sont venues aujourd'hui. Quelques petites minutes pour poser quelques petites questions dans, pas sur Shenmue 3 ce coup-ci. Alors qui a des questions? Bonsoir, j'aurais voulu savoir s'il avait déjà été contacté par Nintendo. En fait, il a travaillé avec Nintendo, donc... Qu'est-ce que vous voulez dire par ce... Donc il reste trois questions. le jeune homme derrière vous. Bonjour, c'est Suzuki. Je veux savoir quel est votre jeu préféré. Un jeu préféré. Est-ce que vous avez son jeu préféré? Des siens? Oui, des siens, bien sûr. C'est la seule chose qui pouvait répondre. Et parmi vos confrères? En fait, les jeux que l'on peut faire avec ses enfants, des jeux très très simples. Nintendo. La forêt des animaux par Nintendo, par exemple.
c'est une question sur Shenmue, mais pas Shenmue 3, il faut en dire. Pourquoi ce titre Shenmue et qu'est-ce que ça veut dire dans votre sens selon vous? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Shenmue? Ouais, voilà, et pourquoi l'avoir choisi comme nom quoi, comme titre? シェムっていうのはあのこう木の名前ですね、ムーっていうのは木っていうトゥリームームームー means a tree でシェンファっていうそのシェンファっていうけどそれはそこの木に咲く花。En fait, si on redécompose le tout, ça va être les fleurs qui poussent sur cet arbre. En fait, comme il y a une légende tout autour, en fait, c'est une allusion à cela. Et pourquoi ça? Tu veux dire pourquoi ce titre-là précisément? On sait que Virtua Fighter 6 est en préparation. On voulait savoir s'il travaillait dessus. Si c'est oui, si vous pouvez revenir à la base de Virtua Fighter 3, s'il vous plaît. Merci. On lui demande souvent, effectivement, son avis par rapport à la vision du monde de Virtua Fighter. Même par l'équipe actuelle. Mais de 5 から基本的にあの M 人間 M 2の方に任せているので、聞かれたらアドバイスはしてます。En fait, comme depuis le 5, ce n'est plus lui qui s'en occupe. Si on lui demande, il répond. Si on lui demande son avis, il va répondre, mais si on lui demande pas. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'était la conférence sur Suzuki.